Alors bonjour à tous, donc ça va être une petite vidéo rapide pour présenter donc l'étui que j'ai réalisé pour le bébé drago champi donc de chez Bastinelli Création. Donc j'essaie de respecter au plus les formes donc du couteau. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai un petit système en fait qui va permettre un port vertical. Voilà, sachant que ce qui m'avait été demandé c'était un port donc pour le tour du cou. Donc pour ça, on enlève ce système là. Ici, là, j'ai passé le système, donc j'ai passé la paracorde. Donc il n'y en a pas besoin d'autant, bien sûr. Ça, c'est plus pour le passage autour du cou. Voilà donc pour le système tout seul. Là, donc la paracorde autour du cou. Le système de rétention par bouton pression, c'est un système que j'aime bien, qui est posé toujours donc sur le dessus, enfin sur l'intérieur en tout cas du manche. Voilà, on ouvre, on met le couteau. J'ai pas le couteau de présentation, je suis désolé, donc je peux pas faire la vidéo avec. On referme comme ça. Et donc cette petite patte, voilà, avec le petit logo, les petits boutons, le système. Donc on, là il faut prendre une corde plus petite bien sûr, on fait passer les cordes à l'intérieur en bas comme ça, dedans on passe ensuite ici, on referme, voilà, et on a donc le petit système qui permet de le mettre en port vertical si on veut plutôt que de le porter autour du cou. Donc voilà, pas plus. C'est un petit concept que j'aime bien, que j'avais déjà fait dans mes tout premiers étuis, que j'ai jamais repris, de pouvoir adapter des pièces comme ça par ce système là, de pouvoir juste fixer après à l'aide d'une paracorde, fixer l'ensemble. Et donc voilà pour ça. Merci à Bastien au passage de m'avoir prêté le couteau qui m'a permis donc de réaliser l'ensemble. À ce jour je lui ai rendu le couteau, donc je peux pas vous faire la présentation avec. Donc voilà pour ce petit ensemble.